voyez, ce n'est pas si mal que ça, c'est... Aïe! Amusant! Hein? Oh, Lulu! C'est... très joli! Et tu as raison, Charlie, c'est très amusant! Allons tous les deux. On doit juste jouer au bébé pendant un jour. Ils ont gagné de manière honnête. Une bébé. Oh, trop fatigant. Je suis prêt pour aller faire la sieste. Attention, vous deux. Voilà le shampoing. Non, Théo, pas tant d'eau que ça. Bien que c'est aussi difficile d'être grand, vous avez sommeil, les bébés? Qui est prêt pour s'amuser dehors avec Bex aujourd'hui? Alors, c'est parti! Désolé, les bébés. On dirait qu'on va devoir rester à l'intérieur cette fois-ci. Mais c'est très bien aussi, non? On peut aussi s'amuser à l'intérieur. On pourrait jouer à cache-cache. Cache-cache, c'est super amusant. Et le gagnant remporte... un gâteau. Très bien. Alors... 1, 2, 3, 4, 5. Non, les bébés, c'est à vous de vous cacher. Bon, on recommence. C'est une super cachette. Hmm.
en train de nous chercher. C'est pas grave, essayons encore une fois. Théo ne nous trouvera jamais. Théo! Hé, tu ne peux pas encore manger les gâteaux. Allez, Théo, tu t'amuseras plus si tu essayes. Et le gagnant peut avoir 2 gâteaux. 9, 10, prêt ou pas, j'arrive. Où peuvent-ils bien être cachés? Je crois que vous commencez à comprendre le principe. Où que vous soyez, j'arrive. Trouvé! Quoi? Trouvé! Super cachette, tout le monde! Je pense que tout le monde mérite un gâteau. Tu peux sortir maintenant, Théo! Théo, où es-tu? Charlie sera de retour d'une minute à l'autre. Il faut sortir maintenant. Et s'il avait vraiment disparu? Il faut qu'on le trouve. Tu as mangé beaucoup de gâteaux. Salut tout le monde! Vous vous êtes bien amusés avec paix? Je crois que c'est à mon tour de me cacher. Absolument passer par cette porte. Avery et Théo pourraient être piégés. Tu as raison, Bex. Et ils ont peut-être besoin de notre aide. J'y vais en premier. Oh 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 oh. Ça n'annonce rien de bon. Oh non! Ne vous en faites pas. Je suis sûre que ce ne sont que mes nouveaux amis. Vous nous avez trouvés. Avery, Théo. Ouf, on était si inquiets. Cette porte secrète était plutôt cool, non? Oui, mais elle a disparu. Comment allons-nous rentrer à la maison? Avec ça. Allez tout le monde, retournons à la salle de jeu. Pas si vite. Regardez cet endroit. C'est un véritable paradis de la cachette. Ce serait dommage de ne pas en profiter. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prêt ou pas, j'arrive. Oh, trouvé. C'était super. Oui, mais où est Théo? On dirait que c'est l'heure de manger. On reviendra une autre fois pour jouer, les bébés. Mieux vaut trouver un endroit sûr pour ce gadget. Wow! Regardez tous les bonbons qu'on a récoltés à Halloween. Vous ne pouvez pas tout manger en une seule fois, les bébés. Il faut les partager équitablement et en garder pour plus tard. Allez, venez les bébés. Je veux vous prendre en photo dans vos costumes d'Halloween. Hein? Regardez. Et si on faisait un jeu? Joyeux Halloween! Oh! Oh! Je veux dire, joyeux rendez-vous chez le dentiste! Jouons au dentiste! Qui est prêt à se faire examiner les dents? Si vous voulez bien vous asseoir dans la salle d'attente, nous allons tout préparer. Allez, docteur Bex. Oh, oh, mademoiselle, Lulu est appelée dans le cabinet du dentiste, s'il vous plaît. Alors, je vais baisser ta langue avec ce bâton pour pouvoir bien regarder. Prête? Tu ne m'aides pas vraiment. Super, Lulu. Tes dents sont fortes et saines. Mademoiselle Tilly est appelée dans le cabinet du dentiste, s'il vous plaît. Oh, parfait. Je vois que tu te brosses les dents deux fois par jour. Monsieur Théo est appelé dans le cabinet du dentiste, s'il vous plaît. Alors, bonhomme, on m'a dit que tu avais mal aux dents? Est-ce que je peux regarder? Je crois que j'ai trouvé le problème. On dirait que tu as mangé un peu trop de bonbons. Des bonbons? Mais il n'a eu qu'une sucette. Eh bien, sa langue est toute bleue et il y a un morceau coincé entre ses dents. Juste là. Ah, je vois que tu te sens déjà mieux. Théo! Mangez trop de bonbons pour vous donner mal aux dents. Mais si vous vous brossez les dents correctement, ça peut éviter de vilaines caries. N'est-ce pas, Gordon? Gordon! Oh! Vous avez tous été très courageux chez le dentiste aujourd'hui. J'ai des friandises pour vous tous.
puisque tu as déjà mangé toutes tes sucettes, voilà autre chose pour toi. C'est parti! On n'aurait pas un peu exagéré avec les décorations? Tout le monde sait que le plus important à Halloween, ce sont les décorations effrayantes! N'importe quoi, Bex! Le plus important à Halloween, ce sont les snacks de folie! Regardez ces friandises! Trop chou! Loulou, il faut en garder pour la fête! Il est forcément quelque part, je suis sûre de l'avoir vu. Mais où est-il? Calingroupé! Merci, j'en avais vraiment besoin. Mais vous allez sûrement le regretter une fois que vous saurez ce que j'ai fait. Voyons, Charlie, ça ne peut pas être si terrible que ça. Mais oui, on t'aime peu importe ce que... J'ai perdu tous nos costumes d'Halloween assortis. J'ai gâché Halloween. Personne ne va s'amuser et ce sera entièrement de ma faute. Voyons, Charlie, ces costumes doivent bien être quelque part. Oui, à quoi ressemblait la boîte? Elle était grande et marron et carrée. Comme n'importe quelle boîte, quoi. Ça ne nous aide pas vraiment. Pas besoin d'en rajouter. Essaye plutôt d'aider. Oh, you're right. Oui, c'est vrai. Allez, tout le monde. Si on se met tous à chercher, on peut trouver cette boîte. Pas ici. Je ne la vois pas non plus, Tilly. Théo? Théo! Non! Ça va, mon bonhomme? C'est quoi ça? Charlie, on l'a trouvé! Oui! On va être de super-héros! Oh. Non! C'est pas si mal! Des robes de princesse! J'ai commandé des costumes de super-héros! C'est un désastre! Je ne sais pas. Je crois que la mienne me fait sauter plus haut. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Halloween est complètement... Charlie, regarde. C'est génial. Essaye. Halloween revient en force. Musique. Et voilà! Que pensez-vous de mon projet scolaire? C'était sur le thème de la famille. Donc, je me suis inspirée des bébés. Ils sont magnifiques! Tu as vraiment bien saisi leurs expressions. Ça a dû te prendre beaucoup de temps. Oui, j'ai hâte de les montrer à ma maîtresse demain. Il ne me reste plus qu'à trouver un endroit sûr pour les faire sécher. Voilà!
Ils devraient être totalement en sécurité là-haut. Faisons ça avec une bouteille. Oui. Pendant que je m'occupe des bébés. Ok. Va prendre l'air. Je suis sûre que tu trouveras une solution. Merci, Avery. Oh, quel désastre. Pauvre Charlie. Il doit bien y avoir moyen d'arranger ça, n'est-ce pas les bébés? Les bébés, non. La dernière chose dont Charlie a besoin en ce moment, c'est de plus de bagailles. Oh, vous essayez d'aider. Lulu, tu es une génie artistique. Allez, les bébés, mettons-nous au travail. Excellent travail, les bébés. Tout peut devenir de l'art. Hey, on ne mange pas l'œuvre d'art. Êtes-vous prêts? À vous de sculpter. Théo! Waouh, vous avez tous fait un excellent travail. Un chef d'œuvre. Génial! Formidable! Bon, je vais devoir dire à ma maîtresse que je n'ai pas de projet à présenter demain. Et... qu'est-ce qui se passe? Et voilà! Wow! Les bébés, c'est vous qui avez fait ça? C'est fantastique! Regardez-moi ça! C'est de la purée! Oh, waouh! Vous m'avez aussi sculpté! Évidemment! J'adore! Maintenant, nous avons vraiment l'air d'une famille! Merci, Avery! Merci, les bébés! Oh! Vous êtes prêts pour une journée, n'est-ce pas? Regardez-moi ça! Il y a tout ce qu'il faut pour se faire dorloter! On a des lotions apaisantes pour des massages relaxants. Toutes les couleurs possibles et imaginables pour les ongles. Des accessoires pour cheveux, des paillettes et des coiffures déjantées. On a même de super cool autocollants pour le visage. Et un nouveau look trop stylé. C'est parti. Arrête de gigoter. Oups. Tu vois, Lulu, je t'avais bien dit que tu adorerais. Aussi terrible que Tilly. Wow!
Journée spa. Oh, trop mignon. Attendez voir, qu'est-ce que... Oh, Tilly, ça c'est un sacré bouton. Regardez, Théo et Loulou en ont aussi. On a pourtant déjà eu la varicelle. Je sais, on a des boutons là où on avait les autocollants. Oh non! Pour les loisirs créatifs uniquement, ne pas appliquer sur la peau. Mince, et maintenant? Vite, que tout le monde me suive! Tout le monde a déjà meilleure mine. Pour la prochaine journée spa, je crois qu'on devrait faire un peu plus de recherches. Oh oh, Gordon aussi a un bouton. Gordon! Non! Salut les bébés, nous sommes de retour de l'école. C'était très amusant. On a fait des maths, des sciences et... Non, 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 les bébés. Qu'est-ce que vous fabriquez, les bébés? Je sais. Vous voulez juste savoir comment c'est d'aller à l'école, c'est ça? Je crois qu'ils se trompent au sujet de l'école. Oh oui! Et si on leur montrait comment se préparer pour aller à l'école? Comme ça, quand ils seront plus grands, ils sauront exactement quoi faire. C'est une excellente idée, Evry! Allez les bébés, allons nous préparer! D'abord, vous commencez la journée en vous lavant le visage. Théo, maintenant, vous devez choisir vos tenues. Elle doit être élégante, faire bonne impression et refléter votre personnalité. Oh! C'est à vous! Wow, vous allez vraiment faire forte impression. Et il est important de prendre un bon petit déjeuner avant d'aller à l'école. Je vais devoir lui dire... Passons au cartable. Et voilà les bébés, vos cartables personnalisés. Vous allez avoir besoin d'un délicieux goûter équilibré pour vous rassasier. J'aime les sandwichs, les jus, les fruits et les biscuits. Qu'avez-vous préparé pour votre goûter? Oh, intéressant. De la glace et des saucisses? C'est ma chaussure? N'oubliez pas vos fournitures scolaires. Vous allez avoir besoin de livres, d'une calculatrice et de crayons. Ça y est, les bébés. Vous pouvez maintenant aller à l'école. C'est l'heure de partir. Regardez, les bébés. Le bus scolaire est arrivé. Prochain arrêt, l'école. Très bien les bébés, vous êtes arrivés. Je crois qu'ils vont vraiment aimer l'école. Peut-être dans quelques années. Qui est prêt pour aller pique-niquer? Oh non!
sans le vouloir, Lulu a déchiré la robe d'Ellie. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'était qu'un accident. Nous pouvons acheter une nouvelle robe d'été à la princesse Ellie. Changement de programme, les bébés. Nous allons faire les magasins. Mais c'est très amusant de faire les magasins. Promis. J'ai une idée. Et si on montait un magasin de vêtements ici même pour que les bébés puissent voir comme c'est amusant? C'est une très bonne idée, Bex. C'est parti. Bienvenue à la boutique de Bex pour bébés. Que cherchez-vous aujourd'hui? Nous cherchons des nouveaux habits d'été pour Ellie. Excellent. Ici, nous avons des t-shirts, des hauts et des vestes. Par là, des jupes et des pantalons. Dans ce coin, des accessoires. Et au centre, des robes. Merci, monsieur le vendeur. Les bébés, commençons nos achats. Voilà un beau t-shirt. Qu'en penses-tu, Ellie? Oh, c'est joli. Regarde. Oh, excellent choix, Lulu. Voilà. C'est joli. Oh, c'est joli. C'est joli. Ok, il est peut-être temps de passer aux essayages. Tout se passe bien, princesse Ellie. Oh, de la haute couture. C'est trop chaud pour ce temps ensoleillé. Il me semble que la veste est un peu trop longue. Elle est légère et très colorée. C'est parfait pour cet été. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Ellie? Tu préfères toujours ton ancienne robe, hein? Je peux y jeter un œil? Les bébés, voulez-vous essayer de nouveaux habits? Stylé! C'est chic! Très à la mode! Nous allons prendre tout ça, s'il vous plaît. Parfait! Mais je pense que vous oubliez quelque chose. Tu as réparé la robe d'Ellie? Il suffisait de la recoudre. Tu vois? Voilà! Elle est comme neuve! En fin de compte, nous n'avions pas besoin d'acheter de nouveaux habits. Et maintenant, nous pouvons profiter de notre pique-nique estival. On dirait que c'est raté pour le pique-nique. Jamais t'endormir si tu manges tout ce gâteau plein de sucre. Je sais que c'est difficile, les bébés. Mais après avoir fait une bonne sieste, vous pourrez manger du gâteau pendant la fête. Dormez bien, les bébés. Bonne sieste. Faites de beaux rêves. Oh!
Délicieux, même sur ta figure. Bon anniversaire. Vous, les petits voleurs, venez avec moi tout de suite. Oh, regarde-les. On pourrait peut-être leur donner juste un petit morceau de gâteau. Désolé les bébés, mais quand on commet un crime, on doit purger sa peine.